Lundi 22 janvier, amis sportifs, bonsoir et bienvenue à ce magazine Café des Sports. Café des Sports, c'est votre magazine auquel vous êtes depuis un certain temps très habitué. Aujourd'hui, nous sommes sur ce plateau. Quand je dis nous sommes, parce que je ne suis pas seul, je suis avec mon confrère aîné, Paul Kazozontima, que vous allez découvrir tout à l'heure là dans cette émission, pour qu'on essaie un peu ensemble avec lui de commenter l'actualité. L'actualité, bien sûr, c'est les 50 années de Léopard de la République démocratique du Congo. Je parle du sacre depuis le 21 janvier 1968. La République démocratique du Congo décrochait son premier titre continental. C'était Paul Kazozo à Addis-Abeba. La finale s'était jouée contre le Ghana. Un but en faveur de la République démocratique du Congo, et au finish, la RDC s'est retrouvée avec le sacre. On va revenir sur les festivités de demain qui sera organisée ici à Kinshasa. C'est d'ailleurs Paul Kazozontima qui a réalisé ses reportages avec Maître Alain Makingo. On parlera également de la Ligue nationale de football, tous les rendez-vous à venir, et bien sûr le classement avec le vieux Kebano, que j'appelle affectueusement comme ça. Et on parlera bien sûr de toute l'actualité sportive en République démocratique du Congo. Tenez, il y a aussi le football féminin qui revient dans cette émission. Paul Kazozo, bonsoir. Salut, Junior Bonfema. Je vous ai consulté sans vous saluer. C'est pas un problème. En fait, Paul Kazozo, on va ouvrir cette émission avec la sécurité au stade Père Afa de la Kétule. Vous savez que depuis la nomination de Max Moké Nzangi, on essaie un peu de donner une nouvelle image avec tous ses collaborateurs. Vous avez la GM Melody et bien sûr Madame la financière qui sont en train de se battre de manière à ce que les choses aillent de mieux, aille mieux du côté de ce stade qui a connu un délabrement, je dirais, très avancé, mais petit à petit, il y a déjà l'absence d'Echegué qui avait élu domicile dans cet amphithéâtre. Et bien sûr, quand il y a absence d'Echegué, c'est pour dire qu'il y a la sécurité qui commence à régner en maître, en maîtresse, allais-je dire, ici, là-bas, au stade Père Afa de Akétu. On va repartir de ce côté de cet amphithéâtre de la commune de Kalamo pour avoir un peu la précision sur la mise en place des nouveaux agents de la sécurité. Chercher à augmenter le nombre des agents de sécurité. Quand nous sommes arrivés au stade, il y a eu vraiment, on a trouvé tout un tas de gens qui vivaient au stade. Les étudiants, les chégués, tout le monde vivait au stade. C'était un logis de tout le monde. Le ministre nous a demandé de mettre de l'ordre au stade. Sur ce, on a préféré d'abord organiser la structure de la sécurité. Après avoir organisé cette structure, nous aurons maintenant à suivre petit à petit comment élaguer ces histoires-là. Mais on a commencé quand même à faire partir les étudiants. Depuis hier, ils ne sont plus ici. Les chefs sont partis. Et nous avons aussi un certain nombre de gens qui sont encore en train de traîner, qu'on va faire partir d'ici là. Mais ce sont des éléments que nous avons trouver que non, qui peuvent mettre la sécurité au sein du stade. En si peu de temps, ce sont les stratégies du comité, à sa tête l'AGM Max qui nous conduit, par, sous la houlette de son Excellence Monsieur le Ministre du Sport et Loisirs, M. Papi Nyango. C'est lui qui nous a demandé de mettre la sécurité au sein du stade, de rendre le stade propre. Je pense que vous êtes en train de voir comment maintenant le stade est calme. Tout le monde est parti, mais ce n'est pas fini. On est en train de continuer à faire le travail. Il y a des espaces qui sont délabrés, qu'on doit remettre à l'état normal. Et puis, entretenir les terrains qui étaient toujours utilisés à temps et à contre-temps. Chaque jour, pendant la semaine, du lundi au samedi, les stades étaient utilisés. Et la nuit, c'était les chèques qui jouaient au stade. Maintenant, on veut en finir avec tout ça. Le stade de Raphaël, c'est un grand complexe omnisport qui est d'abord un stade mythique. C'est le stade du siècle, là où Mohamed Ali a compété. Donc, c'est un stade qu'on ne peut pas réduire à sa moindre valeur. Pour la sécurité, qu'est-ce que nous avons fait? Nous avons notre sécurité interne. Pratiquement, des paramilitaires, voire des parasécuritaires, qui sont civils, qui sont formés pour la sécurité. Nous avons aussi des éléments de la FARDC qui sont avec nous. Puisque tellement nous sommes dans une zone tellement rouge, on a préféré avoir des éléments
de la FARDC qui sont avec nous pour dissuader ces malfrats qui sont autour de nous. Après ces gens-là, nous aurons aussi une équipe de la police qui est à côté de nous, qui va nous secourir pour mettre du calme au stade. Oui, d'ailleurs on a commencé par les PEFKIN. On a appelé les PEFKIN pour aérer un peu son calendrier par rapport à l'utilisation du terrain. On est pour parler aujourd'hui. D'ailleurs, c'est pourquoi je suis seul, c'est pas moi qui devrais tenir la parole. Le président Max n'est pas là. Il est en réunion avec le comité de l'INAFOOT en ce moment-ci. Donc, nous sommes en pour parler jusque-là et puis ça passe. Maintenant, les agents qui sont au stade, qui sont commis au stade Tata Raphaël sont identifiés et identifiables. Donc, ils ont des macarons. Vous avez vu la tenue des agents de la sécurité. Nos agents aussi qui sont à la maintenance, qui sont au final, ils auront aussi la tenue. On est en train d'aller petit à petit. Comme on n'a pas assez de moyens, depuis les moyens qu'on peut avoir, on cherche à faire comment équiper ces travailleurs. Nous devons les identifier puisqu'il y a des gens qui viennent autour de ça. Quand il y a un match, les gens qui vendent les billets qu'on ne connaît pas, les gens qui viennent qui se mettent devant la porte, ils se disent stadiens et pourtant on ne sait pas les déchiffrer. Donc c'est ça le problème. C'est pourquoi nous avons voulu maintenant identifier nos agents, les travailleurs et les agents de la sécurité. Non, tout le monde sera identifié, ancien ou nouveau. D'ailleurs, il n'y a pas de nouveau. Puisque nous, nous ne sommes pas là pour recruter, on n'engage pas. Comprenez? Nous, on n'engage pas les agents ici. Donc, il n'y a pas ancien ou nouveau. L'équipe de sécurité, c'est pour renforcer l'équipe qui est ici. Mais les agents sont restés toujours agents, ils sont toujours là. Ils sont payés par l'administration publique. Ce n'est pas nous qui les payons. Ce sont des agents qui sont commis au stade Tata Raphaël. Donc, ces agents-là seront identifiés par leur macaron, par leur tenue. Un petit commentaire par rapport à l'organisation actuellement au stade Tata Raphaël. Bon, on suppose que pour l'avoir déplacé du stade de Marty pour le stade Tata Raphaël, cela suppose que le président Max Moka avait fait du beau travail au niveau du stade de Marty. Maintenant, il a été placé à la tête du COSTRA, comme on l'appelle, le complexe omnisports du stade Tata Raphaël. Bon, le grand travail d'abord, il devra commencer par évacuer tout ça comme les personnes non grates à la base, c'est-à-dire que les Chegui, s'il arrive à installer. Déjà qu'ils ne sont plus là. Je n'ai pas encore constaté ça, il faudra que je mette ça, que je vois ça de visu. Donc s'il arrive à implanter cette sécurité au niveau du stade Tata Raphaël, ce sera déjà un premier pas qu'il aura effectué dans les tâches qui sont les siennes par rapport à ce c'était une nouvelle équipe qui a été maintenant mise à la tête du stade Tata Raphaël. Dans un premier pas, il faudra maintenant qu'on voit la suite. Parce que je ne sais pas après. Déjà, la restructuration de l'équipe de sécurité, ça inspire un peu confiance. Oui, il y a aussi la salubrité au niveau des entrées là-bas. Ce n'est pas assez confortable, autant pour les vestiaires. Donc, il y a encore du travail. Depuis que le stade avait été réhabilité par le club en 2014, en tout cas, il est retombé en désuétude. Il faudra qu'on le rétable de nouveau. Et c'est à ce moment-là qu'on pourra porter un jugement de valeur par rapport à au travail qu'aura fait Max Moquet. Max Moquet avait promis que la presse reviendrait dans 90 jours exactement. On attend, ça sera dans 30 jours ou 45. Et on va y aller pour faire les constats de ces premiers pas au stade Père Raphaël de la Quétule. Nous allons rester au stade Tata Raphaël pour vous parler cette fois-ci de la Ligue de football féminin de Kinshasa, où l'équipe de l'Espérance de Bandal est tombée devant l'équipe de Bilingue. Score final, 2-3. C'est un reportage signé Paul Kazou. Sans une grande affluence, l'ouverture du championnat de football féminin a vécu au stade Tata Raphaël. Face à face, la formation d'espoir des Bandal en vert et blanc et Bilingue en rouge, blanc et vert. Dès le coup d'envoi, espoir ouvre la marque à la première minute par Tokasi Rita avant de doubler la mise par Bonayi Gatondou. C'était tout pour la partition d'espoir pour celle de Bilingue, ponctuée de 3 buts, dont 2 sous pénalty réussis par Ndonze Yabongo, suivi d'une signature de Mvemba. Et c'est bien parti pour ces championnats, au dire d'Agnès Rubenga, la secrétaire de cette ligue. Nous sommes contents de ce coup d'envoi.
nous souhaitons que les autres matchs se poursuivent jusqu'à la fin, pour que le championnat se joue normalement. Nous avons enregistré au départ 10 clubs. Il y a football féminin de Saint-Pierre qui avait désisté. Donc là, nous allons jouer notre championnat avec 9 clubs. Sincèrement parlant, à 70%. Parce qu'à 70%, ils sont en règle. Dans l'assistance figurait la présidente de la Commission nationale du football féminin de la FECOFA, Lili Tchimpumpu. Non, bon, nous félicitons la commission provinciale qui a, y est arrivée finalement à faire jouer cette, ce championnat. Ça a pris du temps, c'est vrai. Bon, il fallait bien que les équipes d'abord soient au grand complet et participent, soient en mesure de passer par là, le centre sportif pour faire enregistrer leurs équipes. Donc je pense que c'est une bonne nouvelle qu'on assiste aujourd'hui au déroulement à l'ouverture de ce championnat qui commence aujourd'hui pour une période, je pense, de plus d'une semaine. Et nous espérons qu'il y aura un public qui viendra encourager ces jeunes filles-là à démontrer, surtout à démontrer ce beau football féminin que nous avons. Cette compétition qui se joue avec la participation des 10 clubs connaîtra la fin de la phase aller le 18 mars 2018. Voilà, merci beaucoup. La réalisation pour cet élément d'une ligue à une entente. Nous allons parler de l'entente urbaine de football de Kinshasa, Tchangou, où l'équipe des Maba. Nous sommes là en première division, Paul Gazouzo. C'est la première division. Nous sommes en première division où l'équipe des Maba du président de Paulin Mivaka, que vous connaissez bien. C'est les... Il est un des membres du staff médical de l'OPAR, de Paulin Mivaka, qui a dominé l'équipe de l'OFIM Mosso, la note de 3 buts à 0. C'est résumé et signé, bien sûr, Paul Kassoso et Théodore Chitolé. Janvier 1968, 23 janvier 2018, jour pour... Voilà, du côté de la réalisation, on est vite allé en besogne. C'est l'élément de l'Opar que vous allez le reporter. C'est le reportage de l'Opar, vous allez les découvrir. Paul Kassoso, vous avez fait pratiquement cette rencontre entre l'équipe des Maba et l'équipe de Le Fimbo. Les spectacles peut-être au rendez-vous. Bon, disons que c'était tellement un match à sens unique, si on peut dire ainsi, parce que Maba qui est jusque-là classé 5e classement de ce championnat de la Tchangou, l'a emporté facilement devant l'équipe de l'Ofimbo par 3-0. Ça va de soi, autant dire que il n'y avait pas de répondant en face. Ça fait du plaisir à notre ami Dépolem Ivaka. Bien sûr, c'est parce que lui, il est tuteur. En fait, quelque chose de très important, bien qu'il est dans le rouage de l'Opar, de l'équipe nationale, mais il encadre aussi la jeunesse. Oui, c'est quand même une petite industrie, hein, le football ici au pays. Et on ne sait jamais, peut-être au sein de cette équipe, on pourra de cette équipe on pourra de avoir des chances. On ne sait jamais, un jour ou l'autre, on pourra voir l'une de ces joueurs, l'un de ces joueurs briller dans l'avenir. On sait dans quelle équipe, peut-être d'aller au sein de l'équipe de l'Opar. Certainement que Freddy Loutona parle le même langage. Maintenant, avec moi, nous allons retrouver les résumés de cette rencontre. Normalement, je suis le tuteur de l'équipe. L'équipe, c'est il y a M. Freddy Mivaka qui est le président. Il est absent. Et si normalement on vient de gagner, les sentiments sont vraiment de sympathie parce qu'on vient de gagner avec les scores de 3-0. On est en train de faire des efforts pour remonter la pente qu'on a subie à la phase aller. La phase aller, vraiment, on a eu 3 défaites successives. Mais cette fois, nous sommes décidés de remonter la pente de façon pour voir qu'est-ce que nous allons faire pour à la séance prochaine. J'ose croire que nous sommes cinquième, mais avec la victoire, je pense que nous serons troisième. Mais nous sommes déterminés à faire remonter la pente. On parlera même de Bamba cette année. Bon, le prochain à venir, c'est on compte faire de bons résultats, gagner les matchs. Nous jouons le jeudi prochain contre Saint-Denis. Là, on fera presque la même chose. Après Saint-Denis, ça serait le dernier match contre Zibok. Voilà, ça c'est Dépolem Mivaka. Les tuteurs, il a bien précisé lui-même, ce n'est pas les présidents, c'est les tuteurs de l'équipe des Maba qui occupe actuellement la 5e position au championnat de l'entente urbaine de football de Kinshasa. Nous sommes en division, en première division.
Paul Kazoutou, on va maintenant parler de la Ligue nationale de football avec vous. D'abord, le week-end a été dominé par des très belles affiches. Mm-hmm. L'AC Rangers qui a refusé encore une fois de perdre devant l'équipe du FC Renaissance. C'est pratiquement le remake de l'EPFK. C'était comme ça à l'aller. Rangers perdait le match, mon retour, c'était un match nul. C'est un peu différent. À l'Epefkin, pendant les deux saisons, au cours de quelle Renaissance était sociétaire là-bas, ils battaient facilement. Renaissance a battu facilement. Au retour, c'était toujours un match. Mais non, ça peut être... au retour, oui, deux fois. Mais c'était. mais dans l'ensemble. Rangers n'a pas de victoire sur Renaissance. Non, pas de victoire sur Renaissance. Bien au contraire, Renaissance a dominé facilement l'équipe en dépit de ces deux nuls-là. La forme de l'AC Rangers pour l'instant, qui occupe la troisième place au championnat partiel de l'entente de la Ligue nationale de football. Bon, ça ne m'étonne pas parce que cette équipe de gauche a beaucoup de talent. Peut-être qu'on aura découvert au fil de ce championnat. Et pour un début, c'était un peu difficile. Une défaite contre l'équipe du Derrick Lomotampembe et puis la suite avec V Club. Mais je pense qu'au courant de cette manche aller du championnat de la zone ouest, je pense qu'on entendra parler de l'équipe de Rangers. Et puis, autant pour preuve, le nul d'hier, bien sûr, on n'a pas été au stade, vu les conditions qui ont prévalu à travers la ville. Le nul vierge contre l'équipe de Renaissance, ça dit quelque chose. Paul Kazoso, avant cette rencontre, il y avait DSMP RCK. On va prendre ça, hein, comme ça, même en désordre. DSMP RCK, une victoire facile. Facile, une victoire très facile. En fait, l'équipe de RCK qu'on a connue dans le temps n'est pas celle qu'on connaît cette année. Elle est en perte de vitesse. En perte de vitesse. Moi, je me dis quelque part, là, cette équipe doit avoir des problèmes. Et après, c'est le festival V-Club avec le retour de Jean-Marc festival, mais qu'on peut atténuer dans le sens que l'équipe de Nosport était un peu diminuée. Elle était complète ce jour-là. C'est 11. Non. Quand on dit diminuée, oui. Et c'est parce que son ossature, les 11 de départ, s'est retrouvé à Mandaka, plus les deux réserves. Mais ce jour-là, il y a eu 11 joueurs sur le terrain, bien sûr, oui. Avec deux joueurs sur le banc. Oui. Donc, on pourrait dire pas que, pour rien qu'il y a un banc de touche. Oui, deux joueurs sur le banc, mais l'équipe s'est quand même bien comportée, l'équipe de Nosport. Parce qu'on peut dire que c'était 2-0 seulement. Le club a... Non, c'était pas 2-0, c'était... 1-0. Oui, c'était 2-0. Non, 1-0, 2 au début de... C'était 2-0, le premier but et puis le deuxième but de Tekiama. Oui, de Tekiama. En fait, ces jours-là, en fait, ce qu'on peut retenir, c'est l'une des questions que j'avais posées à Ibengue à la fin du match. Parce que Tekiama avait commencé le match comme avant-centre. Il a été remplacé en une période par Makoussou. Oui, et juste après, Makoussou a inscrit 3 buts. Donc, son premier match, 3 buts. Et à la fin. Qui est déjà en partance vers. En fait, ce match, c'était le match de son. Au revoir ou adieu, je ne sais pas. Qu'est-ce qu'on pourra dire? Au revoir ou adieu? Non, je dirais au revoir. Au revoir, hein, personne ne se dit. Mais je voudrais bien que ce soit les adieux. Les adieux. Parce qu'il est parti pour une autre carrière, il doit quand même embrasser pour ne plus revenir dans le club. Bon, en fait, une fois sorti. Il a commencé par embrasser son entraîneur, Ibengue, et toute la suite. Il a envoyé chacun. Donc c'était une façon de dire au revoir. Et j'ai posé la question à Ibengue de savoir si, en faisant remplacer Etekiama par Makoussou, c'était en fait une passation de pouvoir. Ça justifie un tout petit peu. Oui. Et la même question a été posée à Makoussou. Il a pris dans ce sens-là. Si ça peut aller dans ce sens-là, tant mieux pour lui. On va quand même avoir Paul Kazoso le classement de la Ligue nationale de football et puis de la zone ouest, bien sûr. Il y a eu des matchs. Quelques rendez-vous. Les rendez-vous, il y en aura surtout le week-end prochain, tant dans la zone ouest que dans la zone surtout est, centre-sud. Mais en ce qui concerne le classement, dans la zone ouest, pour ce que nous en parlons, effectivement. Renaissance, oh là là, je voulais dire, de l'Éderic Motempe, le DSMP est en tête avec 26 points pour 10 matchs livrés, suivi de l'équipe de V-Club, 25 points pour le même nombre de matchs, et puis on retrouve l'équipe de Rangers, une équipe, oui, troisième avec 14 nouveau points. Promu. Nouveau promu. Sur le podium. Et qui annonce de couleur pour les playoffs. Et ce n'est pas impossible. Tout à fait. Ouais. Et puis on retrouve ensuite deux équipes à 12 points. Il y a notamment l'équipe de MK et Renaissance. Mais MK bénéficie de matchs en moins.
puisque l'équipe ne s'est pas déplacée. Pour repartir pour Mbandaka. Faute de place dans l'avion. Il n'y a eu que 7 joueurs. Enfin, on a eu de place pour 7 joueurs seulement, il semble-t-il. En tout cas, il n'y a pas eu de place. Même l'hôtel de ville n'a pas pu obtenir de place pour le football club MK. C'est une précision qu'il faut apporter. Voilà. Et l'équipe a rapidement, dans les 72 heures, saisi la Lina Foot avec des preuves, des reçus des agences de voyage. Voilà, donc MK 12 points, Renaissance 12 points, et Dragon se retrouve à la suite du FC Renaissance avec 11, et le RCK à 8 points, et puis Molongué 5. Comme justifier sa forme, ouais, RCK. Ouais. Et enfin, nous avons l'équipe de North Sport qui n'a que 3 petites unités. Quel rendez-vous? Rendez-vous, notamment si le calendrier est respecté, notamment à Kinshasa, le 28, sera un certain dimanche, on aura un derby de Verkinois entre l'équipe de V-Club et l'équipe du UFC, V-Club et l'équipe du Dernier Combattant PMB. Alors qu'à l'Est, on aura Mazembe et Sarabalende. Mais à la même date à Kinshasa. Une rencontre, on ne peut plus alléchante. On ne peut plus, comme vous l'avez dit. Et puis à Kinshasa, avec Molungu contre Renaissance. Donc en principe, Renaissance doit se déplacer pour Mbandaka. Et on aura North Sport, Dragon. Dragon qui sera dans la fournaise du stade d'Amar de Matadi, un stade qui ne pardonne pas souvent aux équipes étrangères, enfin qui viennent d'ailleurs, si on peut dire ainsi. Mais le 3 Dragon sera opposé à MK. Oui, ça c'est le week-end qui va suivre après. Voilà. Donc voilà, et puis Rangers, il y a un match aussi qui va se jouer le samedi entre l'équipe du RCK et l'équipe de l'Académie de Rangers. Ça c'est pour le stade Tata-Raphaël samedi. Merci beaucoup pour ces précisions. Ce n'est pas pour rire que vous avez toujours été très, alors, on ne peut plus important, Paul Kassoso, Tima, le vieux Kebano que tous les réseaux appellent affectueusement Kebano dernière passe. Voilà, ce sont des passes qu'il a toujours faites à ses jeunes coéquipiers. Paul Kassoso, nous sommes 22 janvier 2018, le 21 janvier 1968, la République démocratique du Congo glaner son tout premier sacre continental, oui. Jour pour jour, ça fait 50 ans. Oui. Et les cinquantenaires se fêtent. Oui, se fêtent. C'est la raison pour laquelle les anciens joueurs, bien sûr, avaient le maître, comment vous voulez dire, maître Alain Makengo, oui. Leur avocat conseil, en fait. On ne pouvait pas passer chez cette occasion comme ça, en berne, si on peut le dire ainsi. Raison pour laquelle demain, il y aura une façon de commémorer cette date, ce 21 janvier, non, ce 23, parce qu'il y a deux dates en fait, il y a le 21 et le 23. Le 21, le sacre à Éthiopie et le retour à Kinshasa. En triomphe. Et par rapport à ça. Malheureusement, on n'a pas pu obtenir des images. Malheureusement, on n'a pas les signaux internet. Il faut sinon, le dire. Je les avais vus le matin, malheureusement, au cours de la journée, il y a eu une interruption. De... Voilà. Donc demain, ce sera une date importante pour le cinquantenaire du premier sacre de l'équipe nationale de Léopard à Addis Abeba. Je voudrais que vous calmez un peu, qu'on ait des précisions avec cet entretien que vous avez eu avec ce matin avec l'organisateur qui n'est autre que Maître Alain Makengo, l'avocat conseil des anciens Léopards. Suivez. un peu vite en besoin. Bon, lui c'est un professionnel, ça peut toujours arriver, mais c'est un professionnel avéré, là je le dis sans crainte d'être contredit. Paul Kassoso, nous disions que le 21 c'était le jour du sacre, le 23 c'était le retour de Léopard de la République démocratique du Congo ici à Kinshasa. C'était de l'apothéose. Oui, oh, vous étiez où? J'étais encore étudiant, élève en secondaire au Bandundu, plus précisément à Kinzambi. En 68. Vous étiez déjà étudiant? J'étais en secondaire, deuxième secondaire. Ah, vous étiez élève encore? Élève, deuxième secondaire. Vous avez failli m'effrayer. Deuxième secondaire à Kinzambi, le frère Joseph Fitt. Ah, Kinzambi, c'est là où nous étions avec MK?
Ah oui, on y est passé là. Très belle école. Oui, j'étais encore là, mais on a quand même suivi. À la radio. À la radio. Et c'était beau. Et on a vibré au rythme de cette ambiance de retour d'équipe au pays. Il y en a encore de ceux-là qui sont vivants. C'est avec eux que d'ailleurs la RDC ou pas commémorer, c'est une fête nationale. Il faudrait que même la FECOFA y soit et tous les. Même certains membres du gouvernement. Paul Kassouso, quels sont les noms qui vous reviennent comme ça en tête? Moi personnellement, j'étais très attaché. À Kibongé. Kibongé, chaque fois qu'il venait ici, en tout cas, il ne manquait pas de m'appeler auprès de lui. Et mon grand ami, c'était plutôt Ngeni Bongi. Ngeni Bongi est un ancien joueur de l'équipe de l'Union sportive Chinkunku, malheureusement. Il s'en est allé à Patres. Mais on était en tout cas très fréquent avec ces anciens joueurs, même à ce jour également. On le fréquente souvent quand il y a des activités. On n'arrête jamais de venir auprès d'eux. Et il y a eu, par exemple, Nicodème Kabamba qui est encore en vie. Il y a Ebengo Souplesse. Mais bien sûr, il y a également le Lopard de 74, notamment Lobilo. Il y a notamment également Mana Kubondo. En tout cas, 68, quoi. Non, ça dit, je parle des anciens joueurs avec qui je suis souvent à bon terme. Donc, mais les noms des 68 qui vous sont restés, il n'y en a pas? L'entraîneur, c'était qui? L'entraîneur, ça doit être, c'était un Hongrois, Xanadi. Si je ne me trompe pas, au dire du Vissiki, ça devait être Troué Mukuna, si je ne me trompe pas. Ah, bah, c'est la source la plus sûre. Oui. Mais si c'était le. C'est une bibliothèque c'était, vivante. C'était. Le prêtre encore, vu parce qu'on a besoin de lui. C'était Xanadi, un Hongrois. C'est lui qui a la tête de Léopard. Mais le nom, certains noms que je connais cette équipe-là, je me suis à la finale contre le Black Star du Ghana. Et il y a eu dans les bois, quelques noms qui me passent par la tête. Il y a eu Kazadi Robert, il est décédé. Il y a eu Kembo à l'attaque, j'étais un peu à la défense. Kembo ou Bakembo? Oui, Jean Kembo. Wow. Ou Kembo, Pepe Kembo, certains l'appelaient Pinto, ou Monsieur Bu, d'après Chimpompo, à Chimpompo, qui l'a calé de cette épithète, Monsieur Bu. À la défense, Katumba. L'homme d'Asmara. Ça, c'est l'attaque. J'ai commencé par Kazadi au bois. Okay. J'ai commencé par Kazadi. Kazadi a eu comme réserve Matumona. Matumona, Matumona est un ancien de Rouenzori National, Himalaya, ça selon. Mais qui a fini par terminer soit sacré au sein de l'équipe de Dragon, Amikasa Dragon. Puis il y a eu également Souplesse et Bengo, qui est encore à vie, comme troisième gardien du ring. Katumba, comme arrière central de Mazembe. Il y a Chimanga qui est venu d'une équipe de Kipushi, je ne sais plus quelle équipe là. Allez-y. Il y a eu d'autres joueurs tels que Mbouli. Mbouli, Rouenzori National, c'est possible. Bilingue également. Mangue, je l'ai cité. Il y a eu les Saïd du milieu de terrain. Saïd, je ne me trompe pas. Saïd Mokili, l'avant-centre. J'ai quand même une idée. Oui. Il y a eu Kalala, il y a eu Kembo, il y a eu Mungamuni. Qui est encore là, qu'est-ce que j'ai oublié? Chinabou, peut-être Chinabou, oui, si je me suis Paul, je voudrais qu'on suive d'abord votre entretien avec Maître Alain Makengo, et puis on va revenir cette fois-ci pour essayer un peu de donner quelques précisions sur les festivités de demain. Après le premier sacre à Addis Abeba en 2018, la veille de cet anniversaire, on part déjà à ses rendez-vous. La particularité est que c'est le cinquantenaire, donc les Léopards champions d'Afrique, ensemble avec toute la République, veulent se souvenir de cette date qui, aujourd'hui, totalise 50 ans. Pour les héros d'Addis Abeba, soutient-on, c'est le seul cinquantenaire de ce sacre de leur vie. La particularité est qu'il n'y aura plus de cinquantenaire. C'est une particularité, raison pour laquelle ils tiennent à marquer d'un acte indélébile cette manifestation. Et ils invitent tout le monde, notamment les autorités, à pouvoir s'investir pour que ce soit effectivement une fête. Une fête, il y a plusieurs paramètres. Vous savez, c'est le football. Tous les ingrédients, tous les participants, tous ceux qui concourent à cette famille de football seront présents. Et nous voulons qu'effectivement, qu'il y ait une surprise, des cadeaux
Et vous êtes sans ignorer, ils sont dans une association, il n'y a pas que ceux de 68 qui seront avec nous, mais aussi ceux de 74, le Lobilo, les Mana, les Ndaye Mutumbula, les Tubilandu, tout le monde en sera là. Ces héros étaient en son temps à 23, aujourd'hui ils ne sont plus que 9, 5 au pays et 4 en Europe. Paul Kazuzo, ce reportage, vous l'avez signé avec Maître Alain Makengo. Demain, les festivités ont lieu à l'hôtel Béatrice. À partir de 9h, ça devra se terminer aux alentours de 13h, 14h, selon ce qu'il a dit en fait. Il a parlé de la particularité de ces festivités. C'est le cinquantenaire, parce que pour la plupart des gens, de ces joueurs qui ont gagné des titres en 68, et ils ont mené le troisième âge, c'est pas le cas qu'ils ont aujourd'hui. Autant fêter avec eux pendant qu'ils sont encore vivants. Il faut fêter avec eux, c'est leur premier, peut-être dernier cinquantenaire par rapport à ce sacre. Alors, il n'y en aura pas d'autres. Il n'y en aura pas d'autres. À moins qu'il faut qu'on ait une santé exceptionnelle pour qu'on atteigne, qu'on garde sa vie pendant tout un siècle. C'est pour ça d'ailleurs qu'il aimerait que ces gens voient leur cinquantenaire, le premier de l'histoire, le premier sacre de Léopard. Parce que le deuxième, c'est pas c'est certain. Alors autant le faire pendant qu'ils sont encore en vie. Ils étaient 23 en 68. Aujourd'hui, ils ne sont plus que 9, il a dit. Il y a 4 sont en Europe. Il y a Kibonge et Kidumu qui sont en Belgique. Jeff et puis, Jeff Kibonge. Et puis il y a, Mbouli. J'ai réalisé ma toute première émission avec lui. Avec Kibonge. Tout à fait. Chez lui, il y a Télécom. Voilà. Et puis il y a Sayo Mokili et Mbouli. Je pense qu'à côté de la génération 68, il y aura quand même les anciennes gloires, les Léopards qui pourront se joindre à eux pour rendre un peu la 64. Il a dit, tout le monde sera là. En fait, c'est tout un, 68 c'est un prétexte. En fait, on ne peut pas fêter la génération 68 sans penser à ceux de 74. À ceux de 74. Donc, ils sont pas assez nombreux. Autant le mettre ensemble, mais le prétexte c'est 68. Voilà. Qui se fait 68 fait les cinquantenaires. Justement, c'est le prétexte qui amène Alain Makengo à ouvrir pratiquement les champs à tous les anciens Léopards. Ouais. Paul Kazuzo, pendant que nous sommes en train de parler, je pense que Freddy Lutonava a essayé un peu de nous proposer ce qu'avait été cette finale pendant que nous sommes en train de parler. Maître Alain Makengo, quand vous l'avez approché aujourd'hui, ce n'est pas une première fois, mais En cherchant un peu à faire ça, qu'est-ce qu'il a dans la tête? Bon, en fait, c'est une façon de rivaliser les anciens joueurs, parce que pour la plupart, ils ne sont pas dans des situations assez appréciables. Pourquoi peut-être l'occasion pour eux, à travers ce cinquantenaire, ils peuvent avoir peut-être un petit cadeau, je ne sais où, parce qu'il a dit que pour demain, ils ont eu le concours du gouvernement. Le gouvernement les a assistés quand même. Je ne sais pas à quelle hauteur, mais il y aura même une petite assistance. Mais il attend également d'autres personnalités. S'ils peuvent venir, ne fût-ce que demain, un petit cadeau pour l'un ou l'autre joueur, ça fera même plaisir pour ces anciens. Paul Kazuzo, cette façon de traiter, à un certain moment, on avait entendu parler des salaires des anciens Léopards et tout. Qu'en est-il aujourd'hui? Vous avez quelques informations sur ça? Apparemment, il n'y en avait plus. Non, je sais qu'il n'y en avait plus. Ils avaient touché, jusqu'à preuve du contraire, ils avaient touché le premier mois. Après, c'était fini. Et avant le lancement des projets en route vers la Russie, 2018, dans ses consultations, il avait reçu, mais avant cela d'ailleurs, il avait reçu ses anciens Léopards. Nous y avons été, non? Nous y avons été, effectivement. Et puis, il a pensé à eux, moyennant un petit rien, ils touchent mensuellement quelque chose, il ne faudrait pas qu'on le dise, parce que ça c'était... Pas important. Bon. Mais si aujourd'hui la FECOFA a reconnu ces anciens Léopards, je pense qu'il faut quand même féliciter le président de la FECOFA. Normalement, ça aurait été l'œuvre du gouvernement de la République démocratique du Congo. Voilà, le gouvernement l'a fait au début, mais après il a arrêté. Il a démission. Il y a sa démission quelque part. Mais par rapport à la FECOFA, je dirais, un tien vaut mieux que deux tu l'auras. En fait, les deux, c'était le ministère. Maintenant, un petit tien, c'est la FECOFA. Ils ne peuvent rien.
Mais Paul Kazozon, est-ce que c'est des gens qui nous ont procuré du bonheur? Moi, je n'ai pas vécu l'époque, mais au moins, on sait se documenter, on sait voir les images sur le net, on sait vivre quand même ça, par rapport à ce qui s'est passé, peuvent mériter l'essor d'être abandonnés. Bon, que dire? C'est regrettable, mais nous, on n'en peut rien. Ceux qui devaient s'occuper d'eux, ils ont les abandonnés dans les oubliés. Quand on sait que le gouvernement, c'est le sponsor numéro un de l'équipe nationale, ouais. Et on est joueur d'équipe nationale, que quand on peut servir, et si on a fini la carrière, on doit être si, mis dans les oubliés. Et si aujourd'hui, on est en train de suivre la CAN à la maison, parce que le Lopan ne sont pas qualifiés, et si le CHAN, je vous l'ai dit, le CHAN au Maroc, le Lopan ne sont pas qualifiés, mais si on s'était qualifié, le pays serait en ébullition. Je me demande aujourd'hui qui allait être au Maroc aujourd'hui. Parce qu'on n'y a pas été. On allait se précipiter de phrase. C'est un ordre de mission. Maintenant, là, les amis de l'OPA du Parlement, on n'entend pas parler. Tout le monde sait. Les amis de l'OPA du. Par contre, Moussou Paul Tolo Barangoupe, quand même. Oh, les amis de l'OPA, il y a Parlement. Bah, député, parmi de l'OPA. Le parc à balle. Le parc à balle. Suko, l'OPA, il y a ancien l'OPA. On va appeler ça Bissopena. Bazate. Les amis, ils ont. Loko, Ndekonabiso. Honorable Zachary, Bazara, on a Ndekonabiso. Confondre la mission, soit comme un député, comme un ministre de l'eau, Ndeko Basile. Mais qu'est-ce qui fait que les lots, comme on a les amis de l'eau, partent en collaboration dans l'ISPED de mettre un maquet, moi, dirigeaka, bah, tchépé paquet, aïe, lobby, tout le monde, il peut pas passer. Mais tant on ne sait jamais. Tant on ne sait pas. Naïbite, ce matin, on va passer à l'invitation. Mais tant on ne sait pas. Naïbite, on a gâté. Mais pourquoi? Naïbite, on va avoir un programme, un projet. Je suis témoin à chaque fois le pas en arabe ta match tout le monde a raqué mobilisation il y a qu'un ancien ministre baillé ma député au monde n'a ça démenti ou en tout cas même si vous sortez du stade à 22h 23h il y a carré du monde mais faites à bien à la casse c'est à dire naïbe que faites aller à telle date c'est à dire participation éliminatoire tout ce qui est mouké team colouana faites à bien en déwana. Mais quand c'est la c'est trop facile. Allez, ministre du Sport a commis, il y a délégation au Mabé, il y a un ministre Papi Nyango, parce que je me trouve géré sport, il ne faut pas tout mettre pour prêter chaque jour au Réna Batounios. Normalement, le ballon est à mon arrêté pour nous faire un match. Match va lui donner la motivation à ma joueur, ou motiver ma joueur. Et puis le par, il y a RDC dans l'équipe nationale, il y a bien. Mais tout ça, dans le cas où il y a un ancien le par, oh, les lots, on a quand même, il faut te féliciter, Maître Badjo Alain Makengo, te féliciter, ne serait-ce que initiative, voilà. Il y a pour penser à ma papa. Même pour la salle. C'est le seul Congolais conscient que Badjo Alain Makengo. Même pour la salle interview, lui, ça qui passe. Après, c'est un rendez-vous, na Fatima. Ah bon? La commune de Fatima, je ne suis plus là, je suis attendu partout. On a la naïe à Ouléry quelque part, tu es à Ouléry. Non, on doit se déplacer, tu es à Pouf, tu es à la place des évoliers. Non, c'est pas ici, tu es à Croissant. Voilà, contribution à numérique à télévision. Tout ça, c'est moi. Voilà. Au bisou, peut-être que ça, les arabes, pour rendre, pour vulgariser et le coyo. Par exemple, le Béla Cinquantenaire, Kalala, Auto Koufa, pourtant, depuis 2002, Nazaki très proche à Pierre Kalala, on le côtoyait chaque jour. Nous ne connaissons plus le vieux boss. Nazaki n'a bureau, mais on a stade de martyr. Parce qu'on préparait jubilé Naïe. Ah oui, jubilé Kalala. Et ce jubilé a été étouffé dans l'œuf. Ti Akoufa, jubilé Wana Basalangote. Comment Batoubako vous avez un thème à modèle Basalangote. Imagine-toi ce qu'a été Pierre Kalala. Et puis jubilé Kalala, mon kenyan. Balo Abeta, na Mazembe. Balo Abeta, na Léopard. Surnom à Yaoundé Bapessa parce qu'il a fait des exploits à Yaoundé, à Cameroun, à la Koufa. Mais l'idée est Bandeli, il y a création, il y a UFC. Ils ont acquis justement, au Salara, va jubiler à Bansien, à mon acquis jubilé à Santos Moutoubile, et Salamara na stade des martyrs. Bah, ça la coûte, mais l'autre, il y a comment qui peut voir. Si quoi, il y a le commis plus FIFPRO que vraiment UFC. UFC, na idée, il y a création, il y a Iroko. Hein, tout comme FIFPRO. Moi, je sommet, moi, je suis valorisé par l'ancien. Disons, je suis un défenseur. Je suis UFC. Je suis un syndicat, je suis un joueur. UFC, oui. Ouais. Mais l'idée de la création, parce que tu as un banana, tu as un loco,
Mais tant que pour la première fois avec les présents scellés, Baté Kamango, Tokambola, Tokenaba, Bissike Bélé, j'étais encore à la RTI, je me souviens. Dans la salle à mon reportage Bélé, l'idée première. On a Biroza na Kasavubu. Biroza na Kasavubu, voilà. L'idée première c'était Olande Lakaba ancien, le Wana, ma papa n'a bisou la salagi moussala, serva kimboka, quoi bah état de santé na bango. Mais les loyo. Et là, on a besoin que on sent plus bango na cadre on a un syndicat il y a qui veut qu'on défende les droits mais qu'on l'ende la bateau bah quoi qu'on l'obape les sous les lotés on dit ça faut belat donc faut balancer la foule faut belat pour docteur yama pour le cas où le temps à melasoi lobby il faut mutua bela mais en tout cas secrétaire général il y a UFC Dodo Landou je crois qu'à son retour je ne pense pas qu'il doit il est à Kinshasa à son retour nous allons essayer un peu de revenir sur ce dossier parce que normalement Alain Makengo seul ne peut plus ne peut pas tenir quand il n'est pas accompagné nous de la presse, on essaye de l'accompagner. Nous ne pouvons l'accompagner qu'en vulgarisant ce qu'il est en train de faire, ses œuvres, et bien évidemment, tenter de rendre public c'est ce qu'il est en train de faire. Mais vous, par exemple, ceux de l'IFC, dans la plupart, vous êtes des anciens léopards. Il faudrait que vous essayiez un peu. Il y a pourtant la liste sous peine à Bandeko. Oh, Lelo, Baza, je vais dire sans défense, je pense que Paul Kassou s'est repris. Un peu. Il faut oublier là, aux agro le Bapouba et là. Mais ce qu'on était mon gars, il ne faut pas reconnaître. Il ne faut pas reconnaître Kazali, les jeunes Namboka. Autrement, est-ce qu'il y a Congo autrement, mettre ma tion à la belle dans la tête. Autrement, il faut qu'on gagne à ma casse. Si Maro, la musique, on a salué, baillé pendant que tu es encore vivant. Il faut être à Koufa pour honorer la situation. C'est ça le défaut. C'est le défaut. Malheureusement, c'est la réalité. Paul, on est arrivé pratiquement à la fin de cette émission Café des Sports. Je ne pense pas que vous allez manquer un petit mot à adresser aux téléspectateurs qui vous suivent chaque fois, qui aiment vos analyses, qui aiment vous écouter un peu pendant que vous couchez un peu de reportage. Simplement, bonne année 2018. Vous écoutez. Autant que pour nous, nous continuerons à vous souhaiter le meilleur et que l'éternel Dieu nous fasse grâce pour que nous vivions encore longtemps avec vous. Un gros bisou à toi, Maxi, bon paiement, fils à papa, et à Réo, bon paiement, la fille à papa. Et bien évidemment, à vous tous, à Fils Kamunga, à Fils Sendao, tous les amis, John Mbouyi, et un clin d'œil à Freddy Lutona Manzaka Mankoy, qui a été à la réalisation de cette émission. Un grand merci aussi à toi, Carlos Pacasa, et à mon ami et frère de la génération, Trésor Baka, Baka Luntadi, la Boaka Ningaï. Tokuta Nataya pas venu à Bissot Simonika dans l'université de Kinkole Natsunga Salara Kaka bien. À vous, j'ai dit grand merci pour votre sympathique attention. Vous fixez rendez-vous lundi prochain sur la même chaîne. Ça sera bien sûr à la même heure. Au revoir. Ciao.